Un processus électoral dans lequel participent uniquement 10 ou 20% de la population, ce n'est pas un processus électoral. Donc, là, je pense qu'il faut faire des lois où une élection de 30% ne me fait rien. L'abstention, au-delà de 70% des électeurs, les résultats doivent être invalidés. On n'a pas cette loi en Algérie, elle n'existe pas d'ailleurs ce genre de loi dans la majorité des pays du monde. Mais je pense qu'après le Covid-19 et tout ça, il va y avoir un débat sérieux sur la scène internationale par rapport aux questions des processus électoraux dans les pays du monde entier. Tebboune Kalb, les Ashramlaïn, ils ont voté. Ashramlaïn, c'est rien du tout. Ils ont voté, tu as 7000, donc tu es une minorité. راك انت هو شوف هو يقول لك بلي انا عندي الشعب معايا وانني مع الاغلبيه وهادو تاع الحين راه اقليه وراهم يهضروا تاع دوله عسكريه ودوله مدنيه ماشي دوله عسكريه راهم اقليه اكسيتيرا مي سي اون ريفليشي سي اون برون لي زارغيومون دو تبون كي لي برونونس سي لي زارغيومون اللي يقولهم بوبليكمون سولوي كي لو ريبريزونتون دو لا مينوريتي سي بيان تبون سي با لي زوتر هذه الاولى دوزيامون لي زارغيومون تاعو سور لو بلون ايكونوميك اي بوليتيك سون كاتاستروفيك صراحة راني خايف على بلادي. كي قال كيسقساوه على لو غومانيمون غوفرنمونتال. يقول لهم انا ما حبيتش نحي الحكومة كاع باش ما نخدعش الشعب. واش دخل خدعت الشعب؟ انت اللي حطيتها حكومة فاشلة. لازم تنحيها؟ وكونتخيغ راك خدعت الشعب باسكو خليتها. ما جو نكومبرون با يعني إلا الوغ الشعب هذايا كونت يسوغ باغ دي ميلي ولا دي مليون دون لي رو. تو ديك سيت اون مينوريتي. C'est pas ça le vrai peuple. Le vrai peuple, c'est celui qui a voté le 12 décembre 2019. Et quand on te dit pourquoi tu n'as pas changé de gouvernement, tu dis j'ai pas voulu tromper le peuple. J'attends l'organisation des élections législatives dans 3 mois. Donc, les hommes s'en ont été chers, parce qu'on a une hukouma jdida, on a une esma iqtisadiya ou maliya kbira. Et c'est très grave. C'est l'argument de la part d'un président de la République qui va reléguer au second plan l'impératif financier, l'impératif économique, l'impératif de gérer les problèmes du pays, il les met en second plan et pour lui la priorité c'est d'organiser une nouvelle élection législative dans 3 mois pour avoir un nouveau parlement puisque la priorité c'était les élections législatives. Pourquoi tu as fait la nouvelle constitution 1er novembre? Il fallait commencer par les élections législatives, il fallait organiser les élections législatives 1er novembre, comme ça tu as un nouveau parlement يعني هنا نشوفوا باللي السيد هذا عنده اون فوي دو روت كي ني با يعني كي ني با او دياباسون دي بروبليم دو بيي يعني سي اون فوي دو روت كي ني با كونفورم او بروبليم سيريو اي كونكري دو بيي الجيري هي ان كريز فينانسيير لا بلوز ايبينوز دونك بان نهضروا على واش كنهضر في ليكونومي باسكو ليكونومي خربها يعني فريمون خربها لو بيي الي يا با دي كريز دو ليكيديتي خرجت اليوم لا بانك دالجيري راهي استعرفت لا بانك دالجيري راهي تقول يا ناس Nous n'avons que 632 milliards de dinars de liquidités bancaires. 632 milliards de dinars, c'est-à-dire même pas l'équivalent de 4 milliards d'euros de niveau de liquidité bancaire au niveau des banques. Bled, les fermes, les 45 millions terrestres, mais 445 millions d'habitants, 45 millions d'habitants, plus 11 millions de salariés, plus 1 800 000 de commerçants, les liquidités bancaires qui sont disponibles dans les banques ne dépassent pas l'équivalent de 4 milliards d'euros. Mais je fais la quelle, on a vu Esma Kibira. Mais il y a un petit sadi à Ouchtima, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Les produits de base sont devenus du luxe. Aujourd'hui, les pâtes alimentaires sont en train de devenir un luxe. Je parle pas de la sardine, je parle pas de la viande. Aujourd'hui, en Algérie, 1 kg de viande, c'est pratiquement 10% du salaire minimum. هذه يا جماعة سي غراف هذه ما عندها حتى معنى دونك انت تقولي ما نبدلش الحكومة نخلي هادو كاع المشاكل يتقبوا لي زالجيريان ويديستابيليزيو لالجيري ويديروا مشاكل كبيرة في لالجيري ولا زالجيريان يكرهم الحياة يعني راهم ما يفوا با لو بو دو تونيل ونستنى حتى كي ندير برلمان جديد باش ندير حكومة جديدة انت راك غير واعي سي ان بريزيدون كي انكونسيون Ça, le fait de le dire devant 10 millions d'Algériens, Yajma'a, je suis inconscient. Ana mashakil koum alama, l'iqtisadiya, ou l'maliya, ou l'ijtima'iya, les problèmes économiques et sociaux et financiers du pays peuvent attendre. Ce qu'ils vont faire, ce qu'on va faire, c'est, ce qui est la priorité, c'est ma feuille de route, qui était une nouvelle constitution et un nouveau parlement. Les parlements dans l'histoire de l'Algérie, qu'est-ce qu'il a apporté à l'Algérie?
rien amender quelques lois de manière superficielle, le Parlement n'a jamais été une source de solution en Algérie. La solution pour l'Algérie, c'est d'avoir un gouvernement fort, un gouvernement sérieux, un gouvernement qui trouve des solutions concrètes à tous les problèmes concrets. Les Algériens ont des problèmes concrets. Le salarié algérien, les ma'andouch mikfouch le salaire tu'o mikfach باش يوكل ولادو ويخلص الكرا ويعيش ويقري ولادو وهو مسكين يرقد بلا ما يخمم كيفاش يكمل لا 3ème semaine du mois ماشي ميم با لا 4ème semaine du mois. Ça c'est un problème concret. Donc هذا المستوى اللي يخضر به رئيس الجمهورية ماهوش مستوى تاع رئيس الجمهورية. احنا واش دخلنا في ليزيليكسيون ليجيسلاتيف تحب دير ليزيليكسيون سي هادو ليزيليكسيون ايتي فوندامونتال اي بريوريتير اي فالي كومونسي بار ال با بار لا نوفيل كونستيتيسيون. Ce n'est pas la constitution qui nourrit le peuple, ce n'est pas la constitution qui garantit la stabilité économique, financière, etc. Donc, Hadrat Khoroto, mais Issen Choubli, Marahouchwei, Bilmechekel Hakriet Elbled. Une autre preuve d'inconscience. Sur le chapitre, il dit, mais c'est le Ralata, président qui ne maîtrise pas les chiffres. Il dit, le prix nous a coûté 1,3 milliard de dollars, ce qui est fou. Non, il nous a coûté plus de 1,5 milliard de dollars, et c'est le blé tendre. La facture des céréales, bel blé, bel maïs, bel soja, elle dépasse les 2,5 milliards de dollars. C'est ça le véritable chiffre. Un président qui ne maîtrise pas ces chiffres. La facture du blé tendre, elle ne nous coûte pas 1,3. Elle coûte plus. Elle nous a coûté 1,4 milliard de dollars pendant les 11 mois de l'année 2020. Et si on compte tous les 12 mois et toute l'année, elle nous a coûté pratiquement au-delà de 1,5 milliard de dollars. Et toutes les céréales, parce qu'on n'importe pas que du blé. Nous n'importons pas que du blé. On importe beaucoup de choses. La facture des produits alimentaires, c'est 8 milliards de dollars. Ou qui te calme, il était bon, il coule, ha? Biftikhar. Il est chouf, insane, ma ouche, ouais. Il coule, non? Hna, nest, ami, coule, nous allons être en faillite. Hna, ma, hna, les réserves de change. Ah oui, coule, nous avons 42, la 43 réserves, milliards de dollars de réserves de change. Vous voulez, hna, ici? La Banque mondiale, dans son rapport, début 2022, on n'aura plus de réserves de change. S'il nous reste réellement 43 ou 42, on aurait pu tenir jusqu'à 2024. Pourquoi on tiendrait uniquement qu'à la fin de l'année 2021, début de l'année 2022? Il y a la preuve que nous avons 41 milliards et nous avons réellement dans nos réserves de change 42 milliards de dollars. Montre-les-moi. D'un côté, il n'y a pas de maîtrise des chiffres. Malgré que le pétrole, Adrien nous a rapporté 20, ce qu'il faut, le pétrole nous a pas rapporté 24. Le pétrole nous a rapporté même pas 20 milliards de dollars. Le total, la totalité des exportations nous ont ramené 21 milliards de dollars. Maintenant, des produits dérivés pétroliers, maintenant, les engrais, etc. et quelques exportations. Les exportations en totalité n'ont pas dépassé les 21 milliards de dollars. N'ont jamais atteint 24 milliards de dollars. Oui, il dit que le flaha, j'ai 24 milliards de dollars. Où est-ce qu'on a les 24 milliards de dollars et j'ai besoin d'un flaha? Où est-ce qu'on a? Où est-ce qu'on a, c'est dit? Y a-t-il bon, n'y a pas de jumouria, mais d'accord, les nes. Tu ne peux pas dire que l'agriculture algérienne ramène 24 millions. On a dit le rataille à Aoud Fira. Il y a un conseiller, il y a un conseiller, il y a un conseiller, il y a 24 millions de dollars. Il y a un conseiller, il y a un et 50% de nos importations, 50% de ce que, de notre nourriture, elle est importée depuis l'étranger. Le cas, il y a 24 milliards de dollars. Pourquoi on importe 8 milliards de dollars de nourriture à l'étranger? Flaha ta'ana ma tdakhel walou dollar, tdakhel ghir bel dinar. Ou flaha ta'ana ma tkfich bach twakkel 50% min aljazairiyin. Ya nas, el andou blis. Hadou les Algériens ma tqdrch tkdeb alihom. Sur le plan économique, ce monsieur ne maîtrise rien. Des faux chiffres, des données totalement fausses ou là mal interprétées. Et il dit qu'on a, عندنا نقصهم les factures des importations. شحال نقصنا هذا العام نقصنا وي parce qu'il y a eu le corona, le confinement, parce qu'on n'a pas beaucoup de, on n'a pas consommé beaucoup de carburant, parce qu'il y a eu le confinement sanitaire, on ne s'est pas beaucoup déplacé, parce qu'il y a eu la demande intérieure نقصت على جال les conditions, les nouvelles conditions de vie imposées par la pandémie. Mirodou Inch'Allah, il croit que l'Algérie, on va pas d'être, Yannick, il pense, il peut faire un quota. Je dois pas dépasser 28 ou la 25 milliards de dollars. L'économie ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de quota. Tu importes ce que tu as besoin d'importer. Et si tu importes parce que tu ne produis pas suffisamment localement. Donc tu ne peux pas dire, hadel am, on a importé moins de 30 milliards. C'est vrai. Parce qu'il y a eu la demande intérieure qui s'est effondrée. Encore une fois, il y a eu le confinement. Il y a eu la pandémie.
Il y a eu, on n'a pas beaucoup travaillé, etc. Mais qui trace la pandémie, chevaux? Est-ce qu'on pourra diminuer nos factures des importations? T'as 30 milliards de dollars. Et ça ne marche pas comme ça. Le mouchkil, c'est tu importes. Et le mouchkil, c'est d'équilibrer la balance des paiements. C'est-à-dire, tu dois exporter comme tu dois importer. Si tu exportes au même niveau que tes importations, tu es en équilibre. Si tu exportes plus que tes importations, tu es en équilibre. C'est ça la problématique. Qui n'a pas ce terme les importations ou les exportations de Kyokso. Kif-kif, même si demain on va importer 15 milliards de dollars, et nous allons exporter que 10 milliards de dollars. Rana khasrin. Le maraheesh dans la diminution des importations. Le est dans la diversification des exportations et dans l'augmentation des exportations hors hydrocarbures et dans le rééquilibrage des balances de paiement. C'est ça, mais si ma houche ferme, Yashma. سيد راهو يخلط هذاك رئيس جمهورية راهو يخلط ماهوش قاري لي دوسي تاعو ماهوش واعي بلي دوسي تاعو جاي دايرها قسرة داير قسرة وكذا وحنا ما نطيحوش وما نديروش ان شاء الله ما نطيحوش كراسو بوبل الجيري ناتورالمون بصح كان نتبعوك ونتبعو المنهج تاعك ماشي غير نطيحو باسكو الي افوغلي با سي سيرتيتود شغل هذا تبون راهو يشوف كيما التيتانيك راهو يشوف الايسبرغ بصح ما يدناش لا الايسبرغ حنا وني بلو فور كو الايسبرغ ها تقولي نكملوا في هذه لا مانيير دو جيري سو بيي ستادير سوز استيمي لي بروبليم ريليغي لي سوز استيمي لي بروبليم ايكونوميك اي فينانسي لي ريليغي اون سكون بلان نو با لو راكوردي لا بريوريتي نو با افوا ان غوفرنمون كي ترافاي ان غوفرنمون سيريو بريفيليجي لا ديمونسيون بوليتيك ا لا ديمونسيون ايكونوميك اي فينانسيير C'est une catastrophe. Hanrocho directement vers la faillite. Qui n'écoute ah l'âme de Jelana de la famille. Bien sûr, tu as la famille. Qui chasse avec les réserves de change? Mais tu as. Un de 42 milliards de dollars. Ok. Le déficit budgétaire t'as à l'état t'as à quoi on voit d'où et il pagade l'âme 26, 25 milliards de dollars. Qui va l'acheter l'âme? On a dans les 18 milliards d'euros pratiquement de déficit. L'âme de Jelana est là. Le déficit budgétaire va être là. Je mets un déficit budgétaire. Le déficit budgétaire c'est quand tu dépenses plus que ce que tu gagnes. Hey, c'est une réalité, ماشي حنا اللي نقولوها يا ناس. Donc c'est pas, c'est une réalité. هذا العام كي 18 مليار هذا لو فينونسمون دو ديفيسيت بودجيتير وحده راح يدي لك لي ريزيرف دو شونج. Donc مام اذا بقاو عندك 40 مليار. Tu vas tenir jusqu'à 2022, la famille, رايح ليها la famille. Sauf si tu produis une économie, tu diversifies ton économie, etc. Mais Sid n'est pas là pour, il s'occupe, il n'accorde même pas d'importance. Au problème économique du pays. La preuve, qui se reçoit le Hukuma, un hit 5, 4, ou un hit un machin qui est un machin qui est un machin qui est certainement Farhat Aïtali. Farhat Aïtali, il a dit qu'il a fait un jury park, ou qu'il a eu un problème à la gendarmerie à cause de deux de ses copines qui ont voulu lui rendre visite dans la résidence de Club des Pins, etc. Mais il a dit qu'il a fait un TF télévision, tu as regardé les Jumhouria. Qui veut trop brûler un hit ou Zara à la gêne machin qui est un machin? Mais ça se dit pas à la télévision. D'abord, on s'en fout. Est-ce qu'il est efficace ou il n'est pas efficace ce ministre? Il a été enlevé parce qu'il a été incompétent. Parce qu'il a été incompétent, parce que c'est un monsieur qui ne maîtrise rien au niveau de son dossier, parce qu'il n'a absolument rien apporté à l'économie, à la diversification de l'économie, à la création de richesses. Mais c'est parce qu'il a été enlevé le club des pins. C'est grave. انا رانا دون سي سيتياسيون غرافيسيم ناحيه وي يتكلم على ناحيه خمسه ولا اربعه ما طبقوش المعلومات لي زوريونتاسيون وكذا ولا الوغ ليكزومبل لو بلو غراف بي دي جي دار الجيري على حسب تبوني لا اون بي دي جي دار الجيري باسكو كاين اون ابل دوفر بور اشتي كاترينغ واسمها الفراشه اكسيتيرا من لونجي يعني هذه انت غافتك الفراشه اكسيتيرا سي بي دي جي دار الجيري خليته عام Avant depuis qu'il est au pouvoir, pratiquement depuis qu'il est en 2017, le déficit à l'Algérie il est énorme, de 100 à 180 millions de dollars. Alors ma qalqouch, qalqatek bak le Katrin qui habite chez les farchetta ou la mourir femme l'étranger. C'est du populisme, Yannès. Ça c'est du populisme. Le PDG d'Algérie, d'abord il n'aurait jamais dû être PDG. Deuxièmement, il aurait dû être enlevé depuis bien longtemps, bien avant l'histoire avec le Katrin, etc. Et de deux, il y avait des motifs beaucoup plus sérieux pour l'enlever que cette histoire d'un marché de Catherine qui est de quelques milliers d'euros, ou de quelques milliers de dollars. Mais il y a un certain nombre de choses qui sont très importantes. Il y a une autre bonne, mais il reste tous les 180 millions de dollars de dettes. Il reste tous les bonnes qui habitent Catherine. C'est le mouchkil.
عطينا الحلول بريزيدون دو ريبوبليك في الانترفيو هذه ما تكلم على اوكين سوليسيون اي نا دوني اوكين سوليسيون يحكي غير على روحه ويسب في المروك ويحكي في على ما مشاكله مع نارمي هاي الجيري لا سان تي اف سونال غاز الجيري تيليكوم لا كريز ابخي لا كريز توت سي سوسيتي سون ديفيسيتير كومون فا لوغ غارونتير لوغ سيرفي كومون فا لي فينونسي كومون لي رولونسي هذا هو المنع واش حنا واش نحتاجو حنا ماذا بينا un président qui parle de problèmes concrets, qui nous propose des solutions concrètes.